C'est un cri de cœur des communautés impactées par les projets de développement à travers la Guinée qui se retrouvent à Conakry. Ces citoyens, dont leurs installations ont été touchées dans plusieurs villes de l'intérieur du pays par les exploitations minières et autres projets de développement, demandent aux autorités de faciliter l'adoption du document référentiel qui doit régler ce phénomène entre eux et les entreprises évoluant sur leur terre. Ils sont venus d'un peu partout à travers la Guinée pour se retrouver à Conakry pour se faire entendre. Ce vendredi 3 mars 2023, ces leaders communautaires ont convié la presse pour exposer leurs problèmes et faire un plaidoyer à l'endroit des autorités. Yacouba Camara, leader communautaire basé à Quintigna, dans la préfecture de Siguiri, explique les difficultés auxquelles les communautés de sa localité sont confrontées de par les différents projets de développement engagés à cet effet. Les calvaires qu'on traverse sur le plan de compensation, c'est surtout la matrice de compensation. Parce que nous avons beaucoup de problèmes sur le terrain en ce qui concerne les consultations, les matrices de compensation, mais surtout ce qui est lié à l'argent, qui est matrice de compensation, la communauté nous fatigue par rapport à ça. Même moi, personnellement, j'ai été victime. L'entreprise, la SAG, est partie dégager une partie de mon jardin sans compensation. Ils m'ont dit de déposer la plainte. J'ai déposé la plainte. Jusqu'ici, cette plainte n'est pas examinée. J'ai déposé la plainte depuis plus d'un mois maintenant. Je n'ai pas eu de résultat. Donc, franchement, c'est quelque chose auxquelles vraiment les communautés sont confrontées. Et ce que je vais dire en plus, même si le document serait adopté, il faudrait vraiment pour l'État un suivi permanent et régulier. Parce qu'il n'y a pas de suivi, ça ne serait pas bon. Parce que vous allez voir dans les différentes communautés, il y a des projets de développement qui viennent, par exemple, laissons le côté des mines. Si vous prenez par exemple les projets routiers, quand ça vient dans une communauté qui n'a jamais vu le goudron, ils vont venir dégager ton jardin, on dit, hey, la route là est importante, hein. Donc vraiment, tout ce qui sera touché, il faut accepter comme ça, parce qu'on vient vous développer. Alors qu'on a dit que le référentiel parle de tous les projets de développement, que ce soit les mines, que ce soit les routes, que ce soit les infrastructures agricoles, tout. Si vous êtes touché, vous devrez être indemnisé. Un document appelé le référentiel est élaboré depuis 2017 entre l'État guinéen et les acteurs impliqués dans la gestion des communautés impactées par les projets de développement dans toutes ses formes. Ce document, qui doit servir de base juridique pour régler les conflits dans ce sens, a été corrigé et déposé auprès des décideurs en 2022, a confié Yacouba Camara, leader communautaire dans la préfecture de Siguiri. Selon lui, les communautés sont en train de souffrir aujourd'hui du fait de la non-adoption de ce document. L'objectif de ma présence ici, c'est de parler du référentiel. Parce que c'est un document auquel vraiment j'ai participé à beaucoup de réunions. Personnellement, le ministère m'a invité à beaucoup de réunions. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'ici le document n'est pas adopté. Le but du référentiel, c'est ça parle essentiellement sur la compensation des communautés impactées par les projets de développement. Ce n'est pas seulement les mines, hein, tous les projets de développement. Donc, ce que je dirais au gouvernement, vraiment, c'est de voir vraiment comment adopter ce document. Parce que la communauté, les communautés sont assoiffées vraiment d'adopter ce document-là aujourd'hui, parce que ça viendra vraiment régler les différends qui se passent entre les communautés et les entreprises. Franchement, c'est depuis 2017. Moi, le ministère des Mines même m'a invité à plusieurs réunions. Même au mois de septembre, j'étais invité à une réunion. Donc, eux-mêmes, ils m'envoient vraiment des courriers officiels d'invitation. Depuis 2017, j'ai participé à beaucoup de séminaires par rapport à ce document qu'on appelle le référentiel. Le dernier référentiel en date a été déposé quand? Je crois que c'est au mois de septembre 2022. Mois de septembre 2022. Donc, toutes les réparations, toutes les corrections ont été effectuées et ça a été déposé en vue de son adoption. Ansoumane Camara Zico, leader communautaire auprès d'une société minière à Damaro, préfecture de Kirouané, a quant à lui déclaré que de nombreux citoyens sont de nos jours touchés par les impacts des projets de développement et miniers dans sa préfecture. Oui, l'adoption du référentiel va apporter gros dans la vie de la communauté. Nous venons de commencer il y a de cela 2 ans à vivre avec la société Winning Consortium Simandou. Donc la communauté n'est vue que par la terre, parce qu'ils sont essentiellement agro-pastorales. Donc ce sont les terres de l'agriculture, des champs, des pâturages qui sont retirés, quoi. Donc, et il n'y a aucune base juridique
aujourd'hui qui peut orienter la communauté à calculer ce qu'elle doit avoir en cédant ses terres, ses parcelles. Donc c'est pourquoi on a besoin vraiment d'une base juridique nationalement reconnue et par la société, et par le gouvernement, et par nous les communautés, pour qu'on puisse recadrer s'il faut, aussi pour qu'on puisse vraiment mettre pression pour atteindre le maximal vraiment profit pour la communauté. Il y en a beaucoup de membres de communautés qui sont dépossédés de leur terre. Il y a de cela plus de 3, 4, 5 mois, aucune réaction n'est faite, pas de compensation, et la communauté ne peut pas accéder à ces terres-là alors qu'ils n'ont rien eu, alors que chaque année, ils cultivaient sur ces parcelles-là. Maintenant, il n'y a plus de culture et aujourd'hui, ce n'est pas compensé parce qu'il n'y a pas de droit pour nous sur lesquels on peut se baser pour mettre pression sur l'entreprise pour qu'on puisse vraiment procéder à la compensation idoine. Dans les batteries du bâté, bokeh kaboy. Annani anko menna. Annani anna district anna communauté le to kumaka radia. Ba anna communauté sini barala ñu barana. Albarna albaral si, albarna li si amantagne kalka kan kamen kanye anna du kono. Men beni kaboy ma. Kaboy mo bal beto yaro. Ces leaders communautaires se retrouvent à Conakry pour faire le plaidoyer sur l'adoption du référentiel composé d'hommes et de femmes.